Eh bien, salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de Bound by Flame, je pense que ça se dit comme ça, un jeu édité par Focus Home Interactive, développé par Spider Game. Le type, c'est un jeu de rôle action. La sortie française, c'est le 9 mai 2014. Nous sommes sur la version PlayStation 4, mais c'est également disponible sur Xbox One, Xbox 360, la PS3 et le PC. C'est déconseillé au moins de 16 ans parce qu'il y a de la violence et du langage grossier. Ça se joue à un joueur. Si l'installation sur le disque dur, c'est 5,3 Go minimum. Au niveau de la résolution, ça va jusqu'au 1080p, et comme d'hab, il y a la lecture à distance. C'est un jeu qui sort comme ça, de l'ombre, parce que je connaissais pas du tout, je l'attendais pas tellement, je savais même pas qu'il devait sortir. Mais bon, on va dire une petite exclue pour les jeux next-gen, ça fait pas de mal. Hein. Quand je dis exclue, c'est-à-dire que voilà, il y a peut-être un jeu par mois qui sort sur PS4 ou Xbox One, donc ça fait pas de mal d'avoir un nouveau petit jeu, hein, en espérant qu'il soit bien. Si vous voulez un let's play, vous me le dites, je le ferai sur la chaîne secondaire. Vous pouvez laisser un petit like, ça me ferait super plaisir. Et s'il y a d'autres jeux que je n'ai pas encore fait sur PlayStation 4 et que vous voulez voir en découverte, bah vous me le dites, hein. C'est aussi simple que ça. Et puis bah, on va commencer. Alors non, je vais l'appeler Coty. Je pense que c'est bien. Coty, j'ai dit, s'il te plaît. Costa, non, on va l'appeler Coty, c'est bien. Je suis un homme, visage. Ok, ça c'est un petit peu dommage qu'on puisse pas. Moi, la musique en fond elle est bien, j'aime beaucoup. Je pense que je vais garder le barbu en fait. Parce que bah, moi j'aime bien les gens qui sont barbus. Par contre, au niveau des coupes de cheveux, lui j'aime bien en fait. Ça fait simple, barbu un peu comme moi. Allez, commencez la partie. Par contre, je sais pas ce que vous en pensez, mais la création de personnages c'est assez pauvre. J'espère que ça va s'étoffer après avec des armures ou autres. Parce que voilà. Alors, ce mode offre un challenge équilibré. Vous allez pouvoir optimiser vos compétences, votre équipement, recourir à l'artisanat et préparer vos batailles pour finir. Pour venir à bout au bout d'un moment. Bref, je vais mettre Faucon parce que je suis un vrai con. Donc je prends Faucon. Bref, oui, je sais. Jeu de mots de merde. The peoples of the world had been fearfully whispering about the Ice Lords for the past 10 years, though of course, they had been present long before then. The Deadwalker army, an endless horde of undead creatures under the Ice Lord's command, swept down from the mountains in the north, annihilating all resistance on the continent. Each battle only served to swell their ranks with the defeated dead. And the bloodless world seemed ready to sink into an endless ice age where there would be no place for the living. There were a few who still tried to stand against the invaders. The elves, who had hitherto remained neutral, and the Red Scribes, a small group of scholars who believed their knowledge might be able to tip the scales. The scribes had recently engaged the services of a group of mercenaries known as the Freeborn Blades. A renowned company, who would become even more so after these events. The Blades were to protect them while they performed a ritual which was intended to change the course of the war. Écran noir. Chargement. Bon. Le jeu a pas l'air dégueulasse. En même temps, maintenant, nous sommes sur les nouvelles générations. On s'attend à voir un jeu assez beau. Mais après avoir, moi, on m'a dit que c'était une sorte enfin, un mélange, hein, un petit peu de Monster Hunter, de Dark Souls. Enfin, dans le sens où, voilà, où, plus simplement, c'est lequel déjà, avec des chimères. Je vous le dirai après, quand je me souviendrai. Scouts, you can smell them from 50 yards away. So here we are. And just think, the captain wanted me to stay and set up camp. I didn't join the Freeborn Blades to stack pots and get the trains. Setting up camp. Now that's what I call being useful.
I honestly believe we stay out of this damn war till the end. Well, looks like the end just showed up. The Ice Lords have really done it this time. All of Vertiel is on the brink. Nothing will stop the Deadwalkers. Soon there won't be a town left to fall back to, or even a tavern where you can spend your pay. There's no one left to turn back this filthy, stinking tide, if it were even possible. Let's hope our beloved employers can deliver on their promises. If their big ritual thing doesn't pan out, we're all gonna be left standing here with our asses hanging out. A bunch of chatty priests playing Sorcerer's Apprentice against seven immortal mages. Sounds great. Anyhow, you have to fight fire with fire, so they say. Damn, they're here already. I better warn the others fast. Alors, c'est Bibi. Le jeu, ma foi, c'est beau. Vous voyez, par exemple, on dirait du cel shading, vous voyez, comme Borderlands par exemple. Un petit peu de dessin animé, vous voyez, les pierres, hein, je parle bien entendu. Mais après, à voir, moi j'aime bien. Quand le soleil est bien fait, comme ça, les. Enfin, quand ça pète à la gueule, moi j'aime bien. Après, je suis pas compliqué, fouiller. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Du métal brut, d'accord. Il part du Metallica. Ok, je sors. C'est pas grave. Ok, il suffit de suivre le plan. Si on suit le plan à la lettre, on va arriver là-haut. Je pense que c'est bien là-haut qu'on doit aller. Hey, enjoy your stroll. Get over here and tell me about it. Rejoindre le capitaine. Arrêtez le capitaine des lames. On va l'alerter. Métal raffiné. Ok. Capitaine. By the looks of you, I'm guessing it wasn't just a quiet stroll. So, what did you see? The Deadwalkers are already close. I got one of their scouts. God damn it, Vulcan! I've told you 100 times. Recon means observing and reporting, not charging in and fighting without thinking. I didn't want him to alert all of the others before we were ready for them. But what if they'd have killed you? Then you wouldn't have been able to alert us before they were ready to attack us. Think for a second. God's blood. We have to get ready for them. Now that you've finally got your ass back over here, you can prepare some traps. Get Peeler to help you place them around the temple. That'll give us some time, and we'll hear them coming. Yes, sir, Captain. And if you have questions, you know where to find me. C'est nul. C'est nul parce qu'on n'est pas un guerrier finalement. On a un éclaireur, moi je vais pas être un éclaireur. Hop. Voilà, donne des coups de pied comme ça, bah t'as raison. Créer 10 pièges. Pour fabriquer un piège explosif, rendez-vous dans le menu sac avec la flèche du bas. Attendez. Hop, menu sac. Il m'en faut 10, s'il vous plaît. Voilà. Non, on va retourner là-bas. Alors moi, c'est bien qu'il y a... Comment dire, ouais. Épluche. Je sais pas ce que c'est un éplucheur. Pour moi, quand vous me parlez d'éplucheur, ça me fait penser aux patates. Quand vous épluchez les patates, mais bon. These are a few treats to welcome our buddies, the Deadwalkers. Booby trap all the access points, and try not to blow yourself up. Don't sweat it, I can handle it. I'm not kidding. If you lose an arm, it's gonna be my ass that gets blamed. Ça va, on peut donner des ordres. On fait pas tout. Alors... Mais on va quand même piéger quelques petits trucs. Alors... Et comme je dis... Ce qui est bien au final, c'est... Attendez, on doit aller où là? I guess I better lay these traps a little more strategically. Ah, salut! Hey Vulcan! Can't talk to you right now.
Bon, en fait, je m'en fous un peu de ta vie. Tout ce que je voulais savoir, c'était poser les trucs, voilà. Alors, ah oui, ok. Il y a un petit cercle. Petit cercle. Ça, c'est assez simple. Et j'aime bien quand c'est simple. J'aime pas quand c'est prise de tête, quand faut chercher. Je suis comme ça. Moi, je suis un gros mec casual. Après, ça, on aime ou on aime pas. De toute façon, les gens qui me suivent, je pense qu'ils me suivent pas pour mes performances, généralement. C'est plus pour mon côté un petit peu boulet. Je raconte tout et n'importe quoi et je fais tous les jeux. Donc, forcément, ça plaît à certains. Et ça déplaît à d'autres. Et ça, tant pis. Ok, comment on les tape? Ok, carré. Ok, pour parer les attaques. C'est un petit peu long par contre pour taper. J'aurais cru un système un petit peu plus dynamique. Arrête de me cracher la gueule en plus. Je vais mourir, voilà. C'est bien. Bon, il y aura des combats durant cette vidéo. Ok. Coup de pied. Bah oui, dans la cité, t'as vu, si la famille. Alors moi, ce qui me fait vraiment peur dans les découvertes, c'est que c'est soit ennuyant, qu'il n'y ait pas d'action. Là, je suis content, puis voilà, il y a des petits combats, vous voyez comment ça se passe. Mais après, j'ai pas vu si ça joue en multi. Non, je pense pas, je pense que c'est vraiment une histoire solo. Ça se prête vraiment bien à du multijoueur. C'est-à-dire, vous faites ça. Eh, j'ai mis ma... Ah mais c'est lui que je veux... Salut, tape-moi, voilà. Maintenant je te contre. Ah mais c'est lent. Mets un coup de pied, voilà. Maintenant, désosse-le. Enfin, c'est pas un squelette, mais c'est pas grave. Ouais, c'est un petit peu lent. Un petit peu trop, je trouve. Après, ah, c'est moi qui préfère les trucs rapides. Hein. Je suis trop un amateur de beat'em all, forcément. Mais pour ceux qui aiment ce style de jeu, ça peut-être plaire. Oh mais, en plus t'es tout nu, toi. Qu'est-ce que tu fais, là? Alors, E, c'est L2 et carré. Je sais pas si ça sert à quoi. En tout cas, ça m'a vraiment rendu service. Hop là. Oh, je crois qu'il est tombé. Reste par terre, mon mignon. R3 pour verrouiller un ennemi. Ah, ça c'est bien. Hop, comme ça je me fais lui et je le finis au sol. On va dire en gros, hein, pour ceux qui savent pas ce que c'est un didacticiel. C'est surtout pour nous apprendre à jouer. Ouais, je sais pas ce que je viens de faire. Allez, voilà. Petit Oompa Loompa. Pour ceux qui veulent savoir pourquoi je dis Oompa Loompa, c'est depuis le début de ma chaîne. Hein. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Allez, mais. Voilà. Je donne des coups de genou et tout, donc sois fort. Je sais pas si je peux lui lancer. Hein. Ouais. Dommage qu'il tape pas vraiment vers le bas. Vous voyez qu'il transperce vers le bas, par exemple. Ça aurait été plutôt pas mal. Et je te finis. Je sais pas ce que t'avais pour être vert, mais... C'est dommage. Vous voyez, dans le genre de jeu, vous faites des petits combats comme ça, vous avez une cinématique, vous voyez ce boss, tout ce que vous voulez, c'est l'affronter. Bon, en même temps, il y a une petite partie de vous qui se chie dessus parce que se dit, bah, c'est un putain de boss, mais vous avez envie de l'affronter parce que ça a l'air d'être épique. Enfin, du moins, on va essayer peut-être en découverte. Si je meurs, je meurs. Si j'ai réussi, bah, vous m'applaudirez. Ouais, c'est compliqué de viser des esprits, non? Enfin, je sais pas ce que c'est.
On comprend pas trop la guerre aussi. Pour être franc, la première scène cinématique, j'ai pas trop lu. Parce que moi, ça... Bon, c'est, voilà, c'était pas entraînant comme il racontait ça, en fait. Ça me donnait pas envie de lire. Je sais pas ce que vous en pensez. Même si c'est en anglais, tout généralement, en anglais, c'est toujours bien fait. Mais là, ça m'a pas du tout donné envie de savoir ce qui se passait. Donc on va essayer de suivre l'histoire quand même. Voilà. À 3, c'est toujours mieux. Je la prends par derrière, elle. Voilà, c'est parfait. You go see how Buffalo is getting along with the scribes. He's meant to be guarding their invoking chamber. Huh? But Captain... Get out of here! Go find Pila for me while you're gone. I'll give you butt, Captain. Right. Are you coming or what? Oh, c'est vraiment bizarre que c'est comment c'est fait. Mais tout ce qui est montagne et tout, c'est genre cel shading. Je pense que c'est par là. Si c'était pas par l'autre côté, c'était bien par là. On va faire tout le tour. Après, ce qui est bien, c'est aussi un bon système d'exploration, on dirait. Mais là, pour la découverte, on va éviter. Voilà. Toi. Les gars, attendez. Vous pouvez désormais changer de style de combat. Ah. Ah, ça c'est mieux. C'est plus rapide normalement. Attendez. Il fait quoi qu'on fait ça? Ok, il esquive. Ouais. Merde, par contre la caméra, toujours le même problème. Ouais. De la potion. Mais pour l'instant... Ça peut aller, on en a pas trop besoin. Je sais que je vais pas jouer au fou, vous inquiétez pas. Dès que j'en aurai vraiment besoin. Oh là, magnifique. Voilà. Oups. Non, là maintenant. Ouais, c'est bon, je l'ai prise. Je pense que c'était fait exprès. Voilà. Viens là, toi. Ouais, style beaucoup plus rapide, mais en même temps, il fait perdre moins d'énergie. Mais. Ramasser, hop, métal brut, je pensais que ça allait nous donner, pardon. Je pense que c'est par là. On va récupérer tout ce qu'il y a, parce que vous avez vu qu'en faisant... qu'on peut fabriquer des choses, et je pense que pour plus tard, on en aura forcément besoin. Alors, on peut tuer, presser L3 pour passer en mode furtivité. Vous pouvez également faire... Non. Tant comme il est, on dirait qu'il donne son boule quoi. Ok. Donc la furtivité, on repassera. Voilà. Ça j'aime bien que ça fait ça. Par contre, si tu peux me laisser attaquer ton copain, tu me ferais. Extrêmement plaisir. Voilà. Maintenant, on va régler nos comptes. Voilà. Voilà. Et maintenant, laisse-toi faire. Parce que sinon, je te pousse. Allez, tombe par terre, vilaine bête. Est-ce que je commence à mieux maîtriser le jeu? Alors, on ne pense pas bien compliqué. Peut-être que le système de parade que j'ai pas trop. Pas trop tilté, mais ça viendra, ça viendra. Heureusement que je l'avais tué, parce qu'il m'aurait arraché. Niveau 2, super. D'ailleurs, le mot magique de cette vidéo, c'est super. Vous devez placer super dans un commentaire. Alors, guerrier ou rôdeur? Non, moi je suis un guerrier. Effectuer une attaque avec l'arme équipée. Moi je vais toujours... Je monte petit à petit, hein. Comme je dis, petit à petit, l'oiseau fait son nid, je ne prends pas la tête à faire... Oh tiens, je vais faire comme ça. Dans le menu équipement, vous pouvez améliorer votre pièce. Hop. Parfait. Bien sûr qu'on l'équipe.
Bonjour. Ça va-t-il bien? Mais arrête d'être vilain. Mais je donne des coups de pied là. Voilà. Toi, j'essaie de tuer vite fait lui. Après je m'occuperai de cette chose bizarroïde là à côté. J'ai pas compris ce que c'était vraiment. Tout à l'heure c'était marrant de t'exploser. Et là, vu que tu n'es pas toute seule. Help me, help me. Merci. Voilà, on va plutôt prendre cette classe. En fait, celle-là, elle est bien, vous voyez, pour esquiver. Certes, t'as fait perdre moins de dégâts, et encore, pas sûr. Au moins, je peux esquiver, et c'est beaucoup plus simple. Le but étant de ne pas mourir durant cette vidéo découverte. Du moins, on va essayer. Voilà, juste un échauffement, parfait. On récupère tout ce qu'il y a à récupérer. Des combats, il y en aura eu. Ça, c'est une certitude. Petit chargement, enfin petite sauvegarde comme vous voulez. Ok, je m'étais un petit peu perdu, c'est pas grave. Attendez, je viens. Attendez, je suis pas fou. Voilà, je suis là. Je vais aller ici, c'est pas possible. Ah bah oui. Ah bah c'est sûr, si je fais pas attention. Oulala, oulala. Bonjour monsieur, vous allez bien? Vous direz pas. Je m'en fous. Je te fais des. Tant que les autres me laissent tranquille, ça peut le faire. Mais l'autre là, une sorte d'archer bizarre, je sens qu'il va tout faire pour m'embêter. Et bah l'autre à côté, c'est encore pire. Bon, je m'occupe de cette âme là et après je m'occupe de lui. Voilà. Hop, et pour finir toi non, on va plutôt prendre celui-ci. Tu vas déguster. Dommage, il perd comme son bouclier quand il fait ça, non? J'ai l'impression que son bouclier se détériore petit à petit. Enfin, c'est peut-être une impression, je sais pas. C'est un petit peu rire. Oh putain, oh le gros patapouf, on dirait moi. Genre le mec. Bonjour. Ah mais c'est bon, je te crois pas, toi. Ah, bon. Tant que t'es tout seul, ça va. Après, c'est surtout si vous êtes deux ou trois, ça va se corser. Ah voilà, je vous fais quelque chose de. Pas vraiment dégueulasse hein. Et je parle juste que vous n'avez pas trop entendu les touches et sinon ça va être cool. Sachez que j'ai vu que j'ai un niveau supérieur et je vais peut-être pouvoir upgrader. Alors là, mes esquives sont du feu de dieu hein. Alors, j'avoue j'ai un petit peu assuré. Allez voilà. Non s'il vous plaît pas toi. Non mais laissez-moi récupérer ce que j'ai gagné déjà. Je le mérite, non? Je sais pas si je vais pouvoir créer des... si je vais pouvoir créer... Hop, améliorer. Ouais, il manque des ingrédients. Il manque du métal brut. Zut. Compétences guerrier. Voilà, on devient assez bon. Hop, c'est parfait. Et puis voilà, je pense que là tout est bon. Retrouver le buff devant la salle du rituel. Ah, retrouver les plus chers. Oui, mais c'est pas de ma faute, j'étais en train de m'équiper. On m'a pas dit qu'il fallait le faire. Ok, tous dans la salle d'invocation, mais c'est bon. On va invoquer Sharon et on va résister tout le monde. Faut aller où?
plutôt par là, je pense. Oh punaise. Ah mais c'est bon là. Je sais que je fais pas la bonne technique finalement, je pense. Ça c'est les ennemis qu'on doit pas attaquer au corps à corps. Munitions insuffisantes, bah forcément. Non, vous savez ce que je vais faire? Je me barre. Je ne cherche plus le combat. Je ne cherche plus le combat. C'est bon, tu peux courir? Ah. Oh, mais t'es là, toi encore. J'espère que les petits Oompa-Loompa derrière ne viendront pas embêter pendant que je combats lui, parce qu'ils sont peut-être en train de me poursuivre. Et ça me ferait... Oh, punaise. Ça me ferait bien chier. Devoir l'esquiver, lui, il a rapporté quand même pas mal de XP. J'aime bien sa petite couleur bleue un petit peu. Ouais, je crois que c'est bleu. Hein. Allez. Oh, ah, ça m'énerve de prendre un coup avant la fin, comme ça. Non, 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 c'est bon. On assure. Vilain, va. Allez, ramasse ça. Sans compu. Ah, j'ai quand même récupéré deux potions. Donc, dans tous les cas. On est OP pour se régénérer. Entrez. Oh, il y avait un coffre derrière, j'ai pas vu. Juste, c'est pas grave. Allez, ouvre. Temple du toit du monde. Quand votre situation paraît funeste, n'oubliez pas que vous pouvez fabriquer vous-même vos potions de soins. Oui, c'est ce que je me disais aussi, qu'on aurait pu les fabriquer. Et c'est vraiment... Non, moi j'aime bien, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai bien dit qu'on a invoqué Sheron. Je l'ai dit. Concentrate, we almost have it. Well now, that must be the fifth time I heard him say that. This stupid ritual is taking too goddamn long. Oh shit, here come the hobblers. Are you going to be all right? I'm fine. Worry about those dead walkers. Genre la meuf, je viens de la sauver, normal. Elle m'envoie chier comme... Pas possible. D'abord, je vais m'occuper de lui. Ah bah oui, je suis con. Normal, change d'équipement. Non mais, je dis, change d'équipement, bordel. Voilà. Non. Voilà, on est bien, on est bien. Ah mais, genre tu me donnes un coup de... Tiens, je vais te défoncer. Je vais te... m'en fous. Voilà, pour eux, je peux prendre ceci. Plutôt m'occuper de toi. Voilà. Oh, oh oui, j'assassine. J'en peux plus, je veux du sang. I shall not let thy weakness be our downfall. Yeah.
Oh putain, j'avais dit qu'on aurait pu l'affronter, j'avais dit. Allez, allez, on y va, on est confiant. On se laisse pas faire. Je sais que mes attaques sont assez cheloues, mais pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. On peut réussir. Oh, mais par contre, quand même, il esquive très bizarrement ce Wotan ou pas. Vas-y, moi je vais lui prendre, je vais lui casser les pattes arrière, comme on dit dans le jargon. En espérant que ça se passe plutôt bien. Ah oui, mais s'il invoque du monde là, comment on fait? Non mais, je dis. Ok. Non mais, je dis, prendre la vie. Prendre la vie. Quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Non mais, je te dis quoi là? Je lui dis de taper. Laissez-moi, voilà. Hop, c'est eux qui font. Le plus chier, ah, en plus il tape fort avec cette épée, parfait. Au niveau de la jambe, c'est bon, je vais me faire E vite fait, comme ça au moins je suis sûr d'être tranquille et j'espère qu'il respawn juste pas à l'infini. Je m'attendais plus à un combat plus épique, finalement je suis un peu déçu à ce niveau là. Il y a un truc là en fait, c'est quoi? Il y a écrit 1. C'est peut-être là où je dois me combattre. Oulala. Oh shit. Mais c'est pas grave, tap tap. Dame des hauts, s'il vous plaît. Avec son gros chapeau. Mais vous là, cassez-vous. Mode de. Connerie. Non, j'ai dit. Voilà. Non mais. Arrête de tourner en rond toi aussi. S'il te plaît. Je t'en prie. C'est quoi ça? Potion de mana. Non, je n'en ai pas forcément besoin. Moi, j'ai besoin de ça. Est-ce que je peux créer des potions, s'il vous plaît? I need a potion. Putain, j'ai plus de sang corrompu. Fais chier. Attendez, on va... Oh. Mais voilà, moi c'est ce que je voulais là. Allez, allez, attaquez. Non, là je pense qu'on va mourir. Mais c'est pas grave. Pour la prochaine, on réussira pour la prochaine, d'accord? Bon. Je dis qu'on réussira pour la prochaine, là j'ai mal fait. Je joue pas au fifou avec moi. Maintenant que j'ai compris un petit peu le système de... Comment on peut équiper tel ou tel truc? J'ai pas lu tout à l'heure, j'ai pas fait attention, je suis désolé pour ceux qui devaient se dire derrière leur écran, Coty, mais c'est comme ça qu'on fait et tout. Je suis vraiment désolé. Hein. Hop, faut taper où? Ici. Voilà. Utilise du mana. Oh, je vais t'arracher. Oh, voilà, je t'arrache. Je t'arrache. Que c'est un peu brutal ce que je fais. On va tester. Et toi là, dégage. Non. Non mais, oust. C'est où qu'il faut que je tape maintenant? Ah. J'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention qu'il ait manqué ça, voilà.
Bah oui, tu brûles. Tu es tout de feu vêtu, c'est normal. Before the rest of them get here. The passes are probably crawling with them already. There's a passage to the other side of the mountain. It will lead us to the swamp. The swamp? Oh, that sounds fun. Hey, did anybody see what I just did to that huge fucking monster? I mean, seriously, I fried that thing. I saved our asses, and you're all just, hey, what's for lunch? I said shut it, Vulcan. Et bien voilà, je pense qu'on va s'arrêter là quand même, hein. On va pas continuer plus longtemps. On va voir s'il y a une cinématique ou si ça nous ramène quelque part, parce que voilà, pour voir. En tout cas, je suis content. J'ai réussi du deuxième coup. Premier, j'ai un petit peu chié dans la colle, j'ai pas fait attention. Mais là, je suis quand même content de vous avoir proposé autant de contenu pour une découverte. Oulala, là là, attention, qu'est-ce qui se passe? Thou hast fled. What the? Thou didst hold the power to face the necromancers, yet thou didst flee. I had no choice. No choice? Hast thou even thought of choosing? Thou art fled like a thief, and thou hast left me, a shadow of myself, trapped here in this prison. I did not create this situation. I'm not even sure I understand what has happened. The hour for questions is past. Thou must act. It is I who will suffer for thy cowardice. I who will pay for thine fault. I who will face extinction. And if I must die, if the flame is extinguished, our world will die as well. I will not let the flame die. I am in a war against these necromancers, and at last I have the power to fight them. What dost thou hope to accomplish in this ridiculous human shell? As it is now, it is useless to us. The flame is not a toy for mewing infants. It exists to reign. Its power must not be stolen from thee. We must reconquer the world heart as swiftly as we may. Hey, Vulcan, enough of your daydreaming. Move your ass, huh? Buffalo. Stylé. Moi, j'aime bien la pitresse comme ça. Là, par contre, ça m'intéresse plus. De savoir qui il est, d'où il vient, pourquoi il fait ça. Il a pas l'air si méchant, ça fait penser un petit peu à QB. Il nous file son pouvoir. Au final, c'est un petit garçon tout gentil, hein. Voilà. Non, on verra comment ça se passe. Mais les chargements sont un petit peu longués, c'est vrai. Ma foi. Vulcan, you hear me? Pull your finger out. Huh? Yeah, I hear you. Head feels like a bomb went off in it. Well, shake it off. We're still not at the end of this stinking swamp, and I'm not gonna carry you all the way to the village. Anyway, how come Hawk isn't the one with me here? He's the lead scout. I always go with him. Hawk is covering the back of the line. So this time, I'm the one who goes with you. You'll get over it. Oh, trop bien. Je sais qu'on me surveille, mais je m'en fous. Qu'on n'a pas confiance en moi. I thought that elves were supposed to have superior eyesight. Do we look like stiffs to you, dickhead? Not yet. B
But with an arrow sticking out of your throat, I'm certain that even a chatterbox like you could do a passable impression. And you'd be the next one down. Possibly. Perhaps I should aim for the largest target first. Not if you want to keep both your balls. What have we here? Buffalo in person. Well, that's a good sign. What's going on here? Who's the scrag with the pointy ears? Thanks for noticing. I try to keep them sharp. I am called Relmar. And I gather the red-faced fat belly with the filthy beard is none other than the famous Elric, leader of the Freeborn Blades. They call me the Captain. All the Freeborn Blades call you Captain Elric. I have no doubt that they do. As for me, I've never had much interest in titles or in military protocol. I judge people by their deeds. N'est pas venu pas continue comme ça et tu ne joueras plus personne. Que fais-je là? Hop. All you've managed to do is point an arrow at my face. Why should we bother listening to you or even let you go on breathing? If you believe that the dead walkers are the only danger down here, then I'd say it's been a long while since you've been near a village. Bandits, cutthroats, all sorts of disagreeable types pass by this way. Thus, you will forgive, I hope, my rather bad manners. The fact is, I'm very happy to have found you. Prince Arundel is wounded. We had to withdraw to Valvanor, where I learned that you were expected. I just wanted to make sure you found your way there. This is not my first walk in the wilds, arsewipe. As you can see, I'm on the right path, and we've nearly reached our destination. Captain? Those creatures I told you about this morning are gathering nearby. They're probably getting ready to attack us. Ah, well, those are called chrysalids. They wait until they have gathered enough numbers, and then they overwhelm you. And it would seem your little group is attracting a whole swarm to the village. Well, we'll give them a welcome. Actually, in spite of themselves, these creatures do an excellent job of keeping dead walker scouts away without raising any suspicions. If we allow them to gather here and then massacre them, I fear we'll be moving their territory a bit too close to Valvanor, which will lead to our being discovered sooner or later. I suggest we send one or two men back. This will keep them separated and occupied while the rest make it to the village. I'm ready to volunteer. If you fear I might try and slip away, I know the area well. Sounds like a plan to me. Vulcan, you're on it. I want to go too. The animals and plants in this swamp are extraordinary. And the venom of these chrysalids seems very interesting. I'd love to get a chance to observe them more closely. Sybil, that is out of the question. Have you lost your mind? It's too dangerous. Sybil, viens avec moi. Hop. This is brave of you, little girl. And I'm sure you fight well. Comment tu m'as lâché comme une merde tout à l'heure quand je voulais te sauver? Hey, Relmar. If you feel up to facing a few bug-eyed freaks, let's get going. By all means. Don't forget, I'm the one with the pointy ears. All right, we'll see you in the village. No dicking around, Vulcan. No dicking around, Captain. Allez, on s'arrête là, les petits loups. Hein, hop. Attendez, je verrai ça plus tard. Nous sommes avec notre ami l'elfe, hein, avec les oreilles pointues. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez une petite suite, dites-le moi, en espérant que ce soit toujours aussi simple d'accès, c'est-à-dire là, on nous dit où faut aller, tout simplement. Les combats n'ont pas l'air bien compliqués, ou je pourrais créer mes potions pour en avoir tout plein. Bref, voilà, ça a l'air assez sympathique, donc à vous de me dire. Et puis voilà, ou même une vidéo de temps en temps, pas besoin d'un let's play, genre j'avance. Dans 5 heures par exemple, je vous fais une petite vidéo avec des compétences supplémentaires, etc. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis voilà. Donc vous pouvez laisser un petit like si ça vous a plu. Sinon, moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Salut !